Salut Antoine, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel, merci. Tiens, j'ai une lettre pour toi. Ah, cool. De loin, apparemment. Merci. Super, merci. Et sinon, tu vas bien? Moi, ça va, tranquille, je promène. Sympa. Je te laisse lire la lettre? Ouais, salut. À plus. Attends. Salut. Salut. Antoine, le temps a passé, mais en aucun cas il n'a dégradé l'éternelle amitié que je porte pour toi. Cet accident nous a séparés, et pourtant, tu demeures un précieux ami. Par le biais de cette lettre, je te laisse l'opportunité de pouvoir se retrouver après tant d'années. Je t'attends ce week-end de pied ferme pour fêter mes 20 ans. Ta présence est indispensable pour garantir une bonne soirée. À bientôt, Jean. Au fait, je suis venu avec Yvan, tu te souviens de lui? Il nous attend dans la voiture là. Ah, tu veux, on y va? Bah allez, bouge tes fesses, pousse-moi un peu vite. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as toujours eu le sens de l'humour, toi? Tu veux que je te porte tes affaires? Bah, allez, toi. Merde, putain, quel boulet. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon. Vas-y, rentre les jambes. Attends, faut que je sorte. Ça va, t'es bien installé? Ah, c'est bon. Ouais. Bon, les gars, demain on fête mes 20 ans. Je veux que ça soit le bordel chez moi. Cette soirée va être énorme. Et vous allez contribuer à ça? On va tout organiser ensemble. Franchement, je suis content que vous soyez à mes côtés. Ah, c'est super cool que t'aies pensé à moi. Malgré tout le temps qui est passé, t'as pas changé d'un poil. Oh, mais tu sais, on n'a pas vraiment changé. On a grandi et puis on voit pas le temps passer. Tiens, Yvan, t'as vu que t'as la réserve? Tu devrais aller faire le plein. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Bah, j'irai à la prochaine station essence. Ouais, de toute façon, tu sais, j'habite pas très loin de la gare. J'ai le temps de te faire le petit topo, mon petit Antoine. Ah, je suis impatient de voir tout ce que t'as prévu. Hein. Ça va être le bordel, t'es un grand malade. Tu vas voir. Tu vas rester bouche bée quand tu sauras ce que j'ai concocté. T'as vraiment organisé tout ça, mais t'as géré, c'est un truc de dingue. Ah mais attends, j'ai des ressources que j'ai mobilisées ces derniers temps. Ça fait longtemps que je voulais faire cet événement en plus. Et mon plus gros défi, ben, c'était ta venue. Je suis heureux que tu aies accepté l'invitation. Bien qu'un petit peu maladroite quand même. Ouais, c'est pas grave, par contre tu m'as un peu pris de court, j'ai pas pu te faire de cadeau. Mais qu'est-ce que tu me racontes, ferme-la! C'est toi mon cadeau! Et tout ce qu'on va s'infliger dans cette soirée, mon pote! Tiens ouais. D'ailleurs, attends, tu sais que je connais des blagues sur les tétraplégiques? Mais elle marche pas très bien en général. Vas-y, raconte-moi ça. Bah c'est bon, je te dis la oh, blague. Putain, oui. Elle marche vraiment pas. Hein. Mais par contre, tu feras gaffe, un hein. Tétra, ça prend vraiment de la place. Hein. Oh, mais arrête, c'est pas la mort. Et sinon, qu'est-ce que tu deviens, Jean? Bah écoute, en ce moment, je suis en vacances, j'ai terminé mes études. Plutôt, j'ai laissé tomber, trop de pression. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et toi, sinon, tout roule? Tout baigne? Ça, t'es con. Ah, je continue mes études, j'ai pris mon appart, loin de mes parents, la liberté, quoi. Et tes parents, ça va? Ils m'ont laissé l'appart pour la semaine, là. J'ai fêté mon anniversaire avec eux au préalable. Comme ça, ils me lâchent la grappe pour le week-end. Ça, t'es futé, toi.
Allez, parce que là on est parti là. Allez. T'as un sacré matos hein, quand même hein. Ah mais je te mets bien pour ton anniversaire. Je t'ai fait une playlist de malade. Ouais, franchement, c'est super cool que t'aies pu venir pour ce soir. Tu sais, en plus, j'ai ramené mon pote Tétra, là. Et je peux te dire, on va le faire boire, lui. Ah ouais, il est où, là? Là, il est au web avec Yvan. Salut, les gars. Salut. Bienvenue au web. Bonjour. Merci. Allez-y, rentrez. Ah, ils roulent vraiment vite ces mecs. Hein, hein? De toute façon, les manettes, c'est pas pour les tétras. Ouais. Et tu t'attends à quoi pour ce soir? Je sais pas, je vais picoler comme d'habitude. Hein. Ah. De toute façon, c'est pas moi qui organise, donc on verra bien. Vous êtes depuis longtemps avec Jean? Ouais, ouais, depuis l'enfance. Et d'ailleurs, pourquoi il est pas avec nous? Bah, il est en train de préparer la soirée là, donc du coup il m'a demandé de te faire un tour et t'occuper. Ouais, c'est vrai que c'est sympa ici. Mais tu connais depuis longtemps? Ouais, ouais, je t'ai dit, depuis l'enfance on se connaît. Du coup, t'as invité combien de personnes? Oh, une quinzaine de personnes, tu vois, j'ai pas envie que ça soit un projet X non plus. Ouais, mais c'est sûr, c'est risqué, hein. Ouais, je t'avouerai que j'ai quand même un petit peu peur. Oh, t'inquiète, de toute façon, tu connais tes amis, et puis on va y aller tranquille sur l'alcool. Ouais, c'est pas ça qui m'inquiète, tu vois, c'est par rapport à Antoine, justement. D'ailleurs, faut que je te dise quelque chose. Ah ouais? C'est à propos d'Yvan. Ouais, je sais pas, depuis le retour d'Antoine, je le sens un peu contrarié. Puis j'ai senti qu'ils étaient vachement proches. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je les ai laissés tous les deux, tu vois. Ouais. Bon, on va retourner au boulot et puis... Ouais. T'inquiète pas pour Antoine. On va le faire boire et puis ça va aller tout seul. Attends, t'arrêtes-toi. Hey gros, tu payes ton verre? Ouais, si tu veux. Tu veux quoi? Je sais pas, vas-y, fais-moi rêver.
peu. Ouais, je mets ça, c'est bon. Allez, et toi, tu prends pas. Oh non, je bois pas ce soir. Au transformant, je. Non, l'alcool, c'est trop de ravage, trop de. Ah, ça sent la grosse cuite, ça. Ouais, enfin. Non, enfin. Enfin, bon, je t'expliquerai. C'est cool ça, tu vas voir plein de monde là-bas. Ouais, un petit peu. Mais du coup, tu fais quoi ici alors? Tu connais Jean, c'est ça? Bah c'est mon meilleur pote d'en France, je suis venu pour son année. Oh la chance, ça veut dire que t'as déménagé, j'aimerais trop faire pareil. Ça me saoule d'être ici. Ah, pourquoi? Bah, je viens de me faire larguer, donc là j'ai juste envie de m'amuser un peu ce soir, de profiter de... Enfin, je suis désolée, peut-être que je t'en ai un peu trop dit, excuse-moi si ça te gêne, je voulais pas. Bonsoir, c'est vous qui avez réservé pour le taxi? Montez. Je vous emmène à quel endroit? J'en sais rien, on roule, je te dirai de t'arrêter. Yot, je crois qu'il est en disparu, j'arrive pas à le trouver. Ça sent rien, il est trop bien. Non mais viens, on va le chercher, viens. Non, viens, non, mais je veux rester. Si, non, je veux rester. Viens. Oh, on va aller. Bah, je sais pas, on va chercher Ivan. Je sais pas, il a dû torcer la souris, il nous refuse. Mais il est parti où, Ivan? Bah je sais pas, justement. On va pas chercher Ivan, nous. Ouais, allez, viens, on a pas le temps. Viens, je vais suivre. Ivan, il est pas perdu. On va pas chercher Vavan. On va aller chercher Ivan. Fais gaffe quand même. Mais non, mais on prend la voiture de ton père. Hein. Ouais, c'est pour ça, tu vois, j'ai pas trop envie que tu fasses un accident avec. Ça fait 3 mois, j'ai mon permis. Ça va bien se passer. Oui, ça va très bien se passer. Hein. Mais fais gaffe quand même. Fais pas Paul Walker, je tiens à ma vie. Hein, mon Elliot, hein. Oui. Oui. Putain, qu'est-ce que t'as bu ce soir? Hein? T'es vraiment court, tu sais ça. C'est pour ça que c'est moi qui conduis. Ah bah oui, tu sais que j'ai pas le permis. Hein. Ah bah. Mais voilà, mais on va rouler prudemment quand même. Hein. Hein, y a pas de limite de vitesse. Allez, fais gaffe quand même, fais gaffe. N'y va jamais sans son Jean-Jean. Putain. Et Jean-Jean, il est flip sa mère. Et je crois que je vais bientôt bégère. Ta gueule, putain, ta gueule. Oh, je joue pas bien. On va chercher Vavan. Fais gaffe à quand même. On va chercher Vavan. Attends, pissez un bol. Mais les mecs pissent pas dans la voiture de mon père. Oh, ça va, on pisse sur les voitures de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais t'es encore trop Ouais, chier. Mais pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est quoi le problème? Dis-nous. Faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais la ferme, toi, Elliot. Vas-y, dis-nous. Je vous le dis qu'à vous. Je sais pas. Voilà, ça s'est passé il y a quelques années. Difficile après tant d'années de découvrir la personne responsable de son accident.
surtout lorsqu'il s'agit d'une personne que l'on apprécie. Aujourd'hui, j'ai décidé de pardonner et d'aller de l'avant. Yvan sera toujours mon ami, malgré ce que j'ai appris. Emmène-moi au bout de mes rêves, je veux toucher le ciel. Tu sais, je t'envie. J'aimerais bien pouvoir jouer au foot, conduire, danser. Mais bon, la jalousie est un vice. Maintenant, comme ça, on est sur un pied d'égalité. Faire relativiser et accepter ce que je suis, car je le resterai toute ma vie. Lui en vouloir ne me servirait à rien. La culpabilité le ronge déjà, et cela perdurera toute sa vie. Quant à moi, dans la vie, je n'aurai qu'à marcher assis. You keep